Et salut à toutes et à tous! Salut Nash! Comment tu vas depuis ce matin? Part à la découverte de Star Wars Dark Force. On va kiffer notre race, moi je vous l'assure. T'as bien mangé ce midi, Nash, tout ça. Je laisse tourner. Hein. T'avais hâte de revoir ce jeu. Tu l'avais fait toi aussi sur PC, Nash ou... Même long. Tu crois que c'est Dark Force ressemble pas du tout à Doom? Est-ce que ça serait pas plutôt Quake? Dans ce cas-là, tu vas découvrir. Parce que là, c'est effectivement c'est un jeu FPS, il n'y a pas la force, enfin, notre pouvoir, notre personnage n'est pas un Jedi. Et est-ce que tu t'avais un CD et tu... Enfin, ah, c'était une démo. Ouais. Alors, gérer les agents. Donc, j'ai un agent que j'ai renommé Petit Seb. Voilà, sélection de l'agent, voilà. Qui n'a pas du tout commencé. Voilà, j'ai qu'une mission, hein, c'est le début. Donc, alors moi ce que je kiffe vraiment, c'est que c'est vraiment un remaster. C'est pas un remake, c'est un remaster. Le jeu est tel qu'il était à l'époque. Ils ont juste refait les graphismes et la maniabilité, puisqu'à l'époque on devait jouer avec un joystick, un vrai joystick sur pied. Hein. Voilà, et quelques touches du clavier. C'était très très rétro comme façon de jouer, je dirais. Donc on peut sélectionner facile, normal, difficile. Je vais faire le jeu en facile dans un premier temps. Peut-être que je le referai en plus compliqué, hein, mais on verra. Donc la première mission. Le sénateur Motma qui me donne une mission. Donc il nous demande de voler les plans de l'étoile noire. Hein. Alors il y a deux choses, enfin il y a plusieurs choses que je kiffe vraiment sur Dark Force. Déjà c'est un FPS dans l'univers de Star Wars, hein. Déjà c'est nickel. C'est que le début est vraiment fait, hop, Star Wars, le titre Dark Force et le texte, on a l'impression de commencer à regarder un film et ça je kiffe. Vraiment, ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Je trouve ça très très cool. Voilà, je tenais à le dire. Et ensuite, le déroulé de la mission. Donc voilà, Dark Vador. Donc trouver les plans d'étoiles noires et retourner au vaisseau. Si le son est trop fort, faut me le dire.
Je vais mettre à 3. Et du coup, à 8. Tu me dis si c'est mieux, Nash? Impeccable. Donc là, ce que j'aime bien, c'est qu'à l'époque, il y avait deux touches, le page supérieure, page inférieure, qui servaient pour monter et descendre la vue. Là, on peut le faire avec la souris. C'est une grande amélioration, ça facilite le gameplay. Hein? Vas-y, baston! Non mais... Un passage secret dans le coin. C'est vraiment, hein. Et quand je rejoue à ce jeu, je vois vraiment les graphismes. J'y joue comme. Je revois les mêmes graphismes qu'à l'époque, hein. Ils sont juste beaux pour que ce soit jouable. Et ça c'est. C'est juste parfait, quoi. Ah non, c'est là qu'il y avait un truc, peut-être. Je sais pas. Je saurais pas dire. 0% de passage secret, ça c'est normal. Inventaire, j'ai rien. Arme. J'ai du pistolet, j'ai la carte, la mission. Voilà. Faut la clé rouge. Ah oui, c'est ce que je dis, c'est un remaster. Vraiment. Pur et simple. C'est pas un demi-remaster, un demi-remake, c'est juste un remaster. Pas que j'appuie sur ça. Comment ça, je peux pas entrer? J'ai un blaster, mec. Donc, comme j'ai un blaster, je peux rentrer partout. Ouais, je pensais qu'il s'est déjà réveillé, lui. T'inquiète pas, il est chargé, hein, mon blaster. Wow. Se calmer, hein. Ça fait tellement plaise. Oh là là. J'ai à peine à viser aussi, mais sinon ça va. Teste tout pour voir s'il n'y a pas des passages secrets. Péter les souris pour avoir des batteries pour la lampe.
À chaque fois, j'appuie sur R pour recharger, alors qu'il n'y a pas besoin de recharger dans ce jeu. Sais pas s'il n'y a pas une porte qui s'ouvre à un moment. Si je me souviens bien, ça ouvre quelque chose là-haut. Exact, le vieux réflexe. Non. Je me suis raté comme une grosse merde. Et c'est pareil, le clic droit de la souris ne fait pas viser. C'est un vieux jeu. Clic gauche, clic droit, c'est la même chose. S'il faut que je fasse monter ça. Je me souviens qu'à l'époque, je m'amusais à chasser les souris à la main. Viens là, je t'aurai. Et je l'ai eu. Alors là, je peux sauter sur les... Voilà, en face pour gagner de l'armure, mais je suis à fond. Je suis à 385 balles. Il me semble que c'est 500 le max. Mais je suis pas sûr. Je repasse par en bas. Alors, pourquoi j'ai monté cet ascenseur? Parce que je sais qu'il y a un passage secret. Ici. En fait, ici, ça c'est l'ascenseur. Donc si l'ascenseur est descendu, le truc qui est en bas, on peut pas passer. La vieille map de l'époque, j'adore. Alors, l'assistant personnel, là. 57% des passages secrets sont faits. Ah, je me souviens qu'à l'époque, je faisais ça aussi. Je sautais sur tout, je spammais les touches pour être sûr qu'il n'y ait pas de passage secret. Secret. Et ben voilà. Un jeu d'enfant. Maintenant, je peux retourner à mon vaisseau. Je vais récupérer les plans de l'étoile noire. Où sont-nous? L'étoile noire. Je pouvais pas entrer. Ouais, je suis à 500 max. Et puis ça c'est bien, c'est à l'époque, c'est pas aussi précis que maintenant. Alors, un truc que j'ai désactivé, c'est que la mission se finisse automatiquement. Salut, Christella. Eh bah, ben, alors. C'est un jeu récent, il est sorti mercredi. Mais c'est un remaster d'un ancien jeu. Vraiment remasterisé. C'est pas du tout refait. Hein. Il est juste graphique. Et là, petit passage secret. Hop. Et là, c'est par là où on est arrivé. D'ailleurs, je vais voir assistant personnel. Je suis toujours à 57% de passage secret. Je connais pas tous les passages secrets du jeu. Hein. Loin de là, il y en a trop.
Kyle remet les plans à l'Alliance Rebelle. Peu de temps après, l'étoile noire est détruite. L'Alliance savoure cette nouvelle victoire. Et pourtant, la menace d'un nouveau complot se profile. Cette fois, le danger sera plus terrible encore. Attention, mise en place de l'histoire. Parce que là, en fait, la première mission, c'est vraiment juste pour se rattacher à l'univers Star Wars. Qui raconte, en fait, comment les plans d'étoiles noires ont été volés. L'Empereur a apprécié votre petite démonstration, Général Mok. Je vous remercie, Lord Vador. Nous serons bientôt en mesure d'en finir avec ces rebelles, comme nous l'avons fait avec les Chevaliers Jedi. Nous allons pouvoir offrir la victoire à l'Empereur. Cette guerre s'achèvera dans la gloire. Une noble cause, Général. J'espère que cette démonstration est à la hauteur de vos prétentions. Poursuivez. Volontiers. Envoyez les Dark Troopers. Oui, c'était les mêmes. En fait, c'est les mêmes cinématiques qu'à l'époque. Ils les ont juste mis propre. Hein. C'est exactement les mêmes. Ah, c'est ce que je dis, le jeu c'est juste un remaster, c'est pas un remake. Merci d'être venu aussi vite, commandant. L'Empire n'a pas cessé de nous harceler depuis la destruction de l'étoile noire. Il y a 5 jours de cela, l'Empire a pris d'assaut l'une de nos bases secrètes dans la cité de Talley. Ici la base d'attaque. Quelqu'un m'entend-il ? Répondez ! L'Empire nous attaque ! Ils sont partout ! Personne ne nous a prévenus ! Ils vont tout détruire ! Nos signes n'ont pas résisté ! La base de TAC a été détruite en seulement quelques minutes. De nombreux innocents des villes voisines ont péri, en plus de nos propres troupes. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un acte de représailles après la destruction de l'étoile noire. Intéressant. Cela ressemble à une attaque impériale tout à fait banale, à l'exception de tous ces bruits. Vous êtes perspicace, commandant. Je suppose que vous comprenez que notre entretien doit rester confidentiel. Crimadine. Un officier sous les ordres de l'Empereur a l'intention de passer dans le camp de l'Alliance. Il nous a fourni des informations sur la mise au point d'une nouvelle arme fabriquée par l'Empire. Les bruits que vous avez entendus proviendraient de cette arme, une sorte de nouveau Stormtrooper, le Dark Trooper. Un nouveau Stormtrooper capable d'anéantir une base rebelle aussi vite ? J'aurais dû rester dans le camp de l'Empire. Le commandant rebelle ne prend pas cela à la légère. Ils sont d'accord pour vous engager. À vous de découvrir si la menace est bien réelle. Si c'est le cas, vous devrez vous débrouiller pour déjouer leur plan. Si, bien entendu, vous êtes encore dans notre camp. Ça m'a l'air intéressant. D'accord, je marche. Mais cette fois, je crois que je ne m'en sortirai pas tout seul. Je veux Yann Horst avec moi comme instructeur. Certainement. Dans ce cas, je laisserai Yann vous expliquer les objectifs de votre mission dans le détail. Je vous remercie, commandant. Et que la force soit avec vous. Alors, je suis désolé, hein, Christelle, c'est juste que je lisais la cinématique. Je connais pas Shadow of the Empire, c'est un FPS aussi?
Ok. Donc ça, c'est ma piste d'atterrissage, ce sera le début et la fin du niveau. J'ai du bouclier. Ah d'accord, ça c'était l'entrée de base. Je connais pas du tout. En vrai, en vérité, j'aime beaucoup, j'aime l'univers Star Wars. Hein. J'ai vu tous les films, tout ça. Mais j'ai jamais joué à beaucoup de Star Wars. Bah, en fait, je crois que Dark Force est peut-être le seul que j'ai fait. Et déjà à l'époque. Il y avait des objets destructibles. Destructibles, c'est vite dit, mais... Voilà, pas ouvrir ici? Ok. Trop fort, je casse ça coup de poing. Oula. Ah, le générateur, il est là. Si je peux tomber à la flotte sans problème. Voilà la belle eau de Star Wars. Allez, que la force soit avec ton stream, Christella. Viens que je t'allume. Le mec, il agresse tout le monde sans réfléchir. Moi aussi, de toute façon, je vais aussi passer chez Christella, forcément. Thank you.
Ça doit être du soin, ça. Pas trop besoin pour l'instant. J'aime bien comment ils disent tirer de dessus. Un succès pour avoir chopé les lunettes à farouche. Ah, je peux pas ressortir ? Oui, les portes s'ouvrent. Allez, du coup, il faut que j'aille, à mon avis. Voilà. Ah, je t'avais pas vu, toi, désolé. Pas un manque de respect, mec, hein. Juste, je t'avais vraiment pas vu.
peut le faire à la bourrin ou passer par là. Musique Star Wars en fond, bien sûr. Allons-y, Jack. Je crois que j'ai trouvé quelque chose qui pourrait nous aider à sortir de ce pétrin. Retournez sur les pistes, je vous retrouve là-bas. Christella a lancé, Nash. Tu peux me prévenir quand elle aura lancé, s'il te plaît. Que je puisse me mettre chez elle aussi. En lurk. Personnel, zéro passage secret. Ah, je suis trop doué. Il y aura du monde là, non? Oh, le vaisseau de l'époque, il a les parties qui touchent même pas. J'adore. Donc, ah non, t'en fais une arme, mais pas n'importe laquelle, elle est trop grande pour qu'un humain puisse s'en servir. Prudence, il a dû s'entourer des druides de surveillance et
les parties inexplorées de l'égout recèlent certainement d'autres dangers. N'oubliez pas que nous vous voulons tous les deux vivants. Je vous fais couler un bon bain chaud pour votre retour. Voilà. C'est là, elle est là. C'est bien ce droïde que vous recherchez. Ah, le niveau des égouts. Alors, un petit message à Nash. Ça ouvre un par un. Est-ce que je me souviens? Oh, c'est une porte.
Bah, il n'y a pas de soucis, Nash. Oh, le bon vieux détonateur thermique. Ça là-bas. En fait, avant de tomber dans un passage où je pourrais plus rien faire, j'essaie de tout visiter. Non, je suis obligé. Allez.
Bon, je sais pas si j'ai pris le bon, mais j'en ai pris un. Ok. Que ces saletés, tu les vois pas en plus. C'est qu'il y en a un paquet des monstres des marées, là. Des monstres des égouts. D'accord, je retombe ici.
soupçonne de savoir comment se diriger grâce à la map. Un dégoût, mais si je me trompe pas, il faut avancer là. Et peut-être pas faire ça, mais. Ah si, peut-être faire ça. Là, on est arrivé au bout. Wesh, le mec il me balançait des grenades là. Fail again.
Yann, j'ai trouvé mon Phrebus. On peut sortir de ce couara. À votre guise, Sky. Regardez-le là avec sa sublime moustache. Attendez, je vais décaler ça. J'ai envie de voir le stream de Christella en fait. En même temps un peu. Si je vais vérifier un truc. Apparemment, il y a 14 missions. Ça va, hein, j'en ai fait 3 en une heure. Mais ça se complexifie de mission en mission. Ce jeu, je ne l'ai jamais fini sur PC, hein, faut le savoir. J'aime bien le « pour le reste, vous faites comme d'habitude, débrouillez-vous tout seul ». Donc faut que je trouve des échantillons de métaux. Oui, je crois qu'il faut pas sauter si je me rappelle bien. Un truc que j'aimais pas sur cette mission, mais je sais plus lequel. C'est le secret pour la vie. Ok. Vérifie parce que des fois il y a des trucs cachés sous les ascenseurs et tout là. J'ai cru que je l'avais pas, j'ai serré les fesses. Hein. Thank you.
Encore une vie. Allez, fini la finesse. Le moyen d'ouvrir ça, moi. J'ai perdu pas mal de boucliers là avec ces bêtises. Ah, c'est la mission avec des codes. Ah, faut que je trouve les bons codes.
cette arme là c'est une tuerie. Hop. Eh bien. Oh, c'est une toile. Je n'avais pas reconnu. Il manquait un peu le socle, hein, on va dire. Ah oui, ça c'est un passage secret, tu tires là-dessus et ça tout le passage là. Carte que des 5. Ah voilà. Un 3, un C et un D. Alors, il était où lui déjà? Méloa, t'es pas mort assez vite. Faire là. Ouais, ça marche pas.
Ah. Voilà, c'est ça. Catarne. Devrais-je l'appeler Kyle? Ça va bouffer directement ma vie, ça. Merde, c'est où je vais. Ah non, c'est plus loin. Je suis à 9 vies. Oh, trop bien. Oh, je retourne directement. Sortie qui est par là. Ouais, c'est bon. Ouf.
courir. Objectif. Ouh, 79% de passage secret. Je commence à être bien armé. Par là, qu'il y en a d'autres, peut-être des passages secrets. Ah, les mines. Alors, le mental... Attention, on est sur une planète chaleureuse. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ça retourne ouais, au début. Donc on va éviter de prendre ce passage tout de suite. Ah.
Oh. Alors, je m'attendais pas à vraiment ouvrir quelque chose en fait. Je peux même pas prendre la vie, j'en ai trop. Ah, salut ami. T'as vu à quoi je joue ? Ah purée, qu'est-ce que je kiffe ce jeu. Le tout premier jeu qu'on a eu sur PC. Sinon t'attends, je te l'offrirai pour ton anniv. Moi j'étais jamais arrivé jusqu'à la fin de ce jeu. Je sais pas toi. Surprise! Ouais, celui-là, en fait, non, celui-là, c'est pas que je voulais pas le finir, c'est que. Déjà à l'époque, on n'avait pas autant de temps pour jouer maintenant. Avec le joystick, c'était compliqué. Hein. J'ai démoli mes PV. Bonjour mec. Saisir un code de triche. Je reconnais pas alors. Non, non, c'était celui-ci. On allait jusque sur MS-DOS pour y jouer. Yeah.
Ah. C'est par où? Non, Rebelle à 100, on l'avait vu après. Ah, j'ai trouvé. Le jeu qui te dit t'inquiète, je te file plein de détonateurs. Ok. Bah ben ouais, mais il était compliqué. Alors, quel jeu tu parles, ami? Mais t'es en panique.
Maintenant, ça te ferait plus rien, je pense. Juste pour rire, 25, j'ai trouvé qu'un quart des passages secrets. Ben moi je m'arrêtais à peu près à ce niveau-là. J'arrivais pas à battre le Dark Trooper à l'époque. En même temps, j'essayais de le faire au flingue, ça ricochait un peu. Cet officier indigne ne dévoilera plus jamais d'informations à ce maudit rebelle de Kyle Katarn. Ce ne sera pas facile de se débarrasser de Katarn. Il est particulièrement efficace, bien plus que vos Dark Troopers, on dirait. Je suis conscient du danger qu'il représente, Lord Vador. Katarn était autrefois un officier impérial, très doué. Mais il était faible, et il renonça à la lutte qui devait nous mener à un nouvel ordre. À votre place, je ne le craindrai pas autant. Katarn n'atteindra jamais ce vaisseau. Je veillerai personnellement à ce que personne... Bah peut-être, mais pas beaucoup plus. Hein. J'avais pas dû faire la moitié du jeu en vrai. Hein. J'étais jamais allé jusqu'au bout. Là, t'as raison, j'étais arrivé jusqu'à cette mission-là. Peut-être que c'est cette mission-là que j'arrivais pas à passer. Ou peut-être pas, je sais plus ce que j'avais été. Je l'avais pas fini, ça c'est sûr. Non, t'as raison, j'étais allé plus loin que ça. T'as raison. Mais du coup, pas ce dimanche, mais dimanche de la semaine prochaine, après-midi, on est d'accord qu'on commence The Forest 2. Stop.
Chargez vos cartes. Ah mince, j'ai cru qu'il était descendu pour monter. Eh, hey, tu veux te battre le soldat là? Vas-y, viens. Viens te battre. Prendra essayer de me battre. Va. Et je me suis rendu compte que j'ai, hein, tu sais, j'ai, au lieu de dire dessus, je dis dessus. Et ben ça vient de ce jeu en fait. Oui, l'ancienne version, mais je l'ai sur Steam, l'ancienne version ami. Mais c'est pas jouable sans le joystick qu'on avait. En vrai, c'est très très compliqué. Ouais, ça je m'en souviens. Les mines. Oh, je les mine, je m'en souviens. Merde. J'ai voulu trop jouer au con là. Hop, c'est pas grave. Non, ah, ah si, c'est bon. Pff, ouais, j'ai cru que je m'étais encore raté. Wow. Pourquoi il y a des trous partout là? Toi, tu te calmes. Thank you.
Me voilà, arrêtez-le. Je pensais qu'il y avait autre chose, mais non. Ah, la violence. En même temps, il y a une vie. Ils ont mis une roue rapide aussi pour changer d'arme. Alors. Alors, la patate avec le téton, le X et le triangle.
Pareil, il faudrait que j'arrive à arriver dessus. Compliqué cadeau. Ah, ça s'est réactivé. Quand ça clignote pas, ça veut dire qu'il n'y a pas le... Pas se le cacher, hein. Ça ressemble un peu aux cellules comme dans Star Wars. Quand Luke il est prisonnier. Leïla. Je sais plus, l'un ou l'autre. Y'a personne, oublie-moi. Tourner en rond, je suis revenu à l'ascenseur.
Ah non, j'étais là. Et celui-là ne doit pas aller au même étage. Voilà, lui, j'y allais pas tout à l'heure. Il doit aller là aussi. Ouais. Alors. Ah, j'ai deux clés différentes, on dirait, pour le même endroit. X triangle C. C'est pas là, ça doit être là. CD. Que des trucs que je peux pas vendre parce que je suis à fond. Oui, je me suis amusé à tous les faire péter. Bon bah voilà, ça c'est tout fait.
Ah, j'ai dû lancer un enregistrement et l'arrêter sans faire exprès. Alors attendez. Comme ça avant que ça m'embête. Ça je l'enlève. Ça je l'enlève. Oui, zone rouge, c'est bien. Des patates montagne, montagne mix air. Je veux bien. Mais. Comment j'y accède en fait? En fait, Ami, je comprends que c'était à cette mission que je bloquais. Justement parce que j'arrivais pas à passer cette porte. Avec la clé rouge, normalement je dois pouvoir passer. Je sais plus ce que j'avais été amené. Est-ce que j'ai pas été... Thank you.
c'était ça. On balade de l'un à l'autre. Ah mais je peux rentrer par là. Plus simple. Alors, le thé patate montagne. Ça se fait bien. Et montagne XP. Ah, c'est lui. Là y'a rien. Là c'est refermé. Là y'a rien. C'est bon Yann, Medine n'est plus en danger. Ne vous attardez pas trop. Il vaudrait mieux sortir d'ici avant que d'autres Stormtroopers ne viennent. Mission 7. Après cette mission-là, je m'arrête. Il y a 14 missions dans le jeu. Je m'arrête après celle-ci. J'aurais fait la moitié des missions. Pour que j'insiste, c'est un peu plus long, mais bon. Ok, fixer un émetteur à l'arrière du robot des contre-monde. Chargez vos blasters. Tirez-lui dessus. Tirez-lui de dessus. Je suis en face. Je peux pas me tirer de dessus.
Le voilà. C'est où? Ah, c'est là. Hé, hey, toi! Et un coup de blaster là avec lui, c'est deux. Non, j'ai fait péter un truc. Je crois que ça lui a pas fait du bien. Costaud, c'est con. Punch sa race. Désolé, j'ai pas très bien compris. Ah.
Ça se décale un peu plus à chaque fois, c'est très très drôle. Ah, fini. Ouais, je connais absolument pas ce niveau, hein. C'est sûr et certain que je l'ai jamais fait. Wouah, putain, ce sniper du détonateur thermique là. Wow. Je t'avais pas vu, toi. Droite ou gauche, milieu. Mec, t'es sourd. Il faut la clé rouge. Par là. Ouais, c'est un cul-de-sac en fait ici. Attends, parce que là.
vais pas te manger jusqu'à l'œil. Bon, ça va vite, hein. Clé rouge ici. J'ai fait plein de pas et je suis toujours pas mort. Voilà, clé bleue, voilà. Détonateur thermique, pas besoin, blablabla. Hop. Côté pour reposer ça. Enfin, pour utiliser ça plutôt. Il y a un truc qui tourne là-dedans. L'émetteur est fixé. Je reçois son signal. Je crois que nous n'avons plus rien à faire ici. Alors, on va voir ce que c'est la mission suivante, mais on va quand même s'arrêter là. Ah, centre de construction robotique. L'émetteur nous a permis de suivre le vaisseau des contrebandiers à distance. La planète de Grasse est dépourvue de toute forme de vie.
place cette recharge explosive dans les couplages d'échange électrique, ce qui c'est. Je sais que c'est pas par là. Et oui, je sais, je suis en train de continuer à jouer alors j'ai dit que j'arrive. Tirez-lui de dessus! Voilà, c'est vrai que je suis en dessous. Là. C'est pas visé. Oh, le joli passage secret. Ouais, c'est entièrement un passage secret, je crois. Ah ouais, d'accord, ça revient là où il faut l'utiliser. Ok, c'est pour s'échapper quoi. Il suffit de sauter par là et de se barrer. Mais... Tant donné qu'il y a des trucs, je dirais qu'on peut entrer quelque part. Si je fais Jésus à tes vies.
finir une mission. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, il y a les 7 suivantes qui seront là. Ok. Voilà, c'est ça que je voulais. Ah! Je vais y arriver. Promis, je vais y arriver. Ça veut pas. Bon, tant pis. Alors, je vous envoie chez Christella, bien sûr. Si j'arrive à l'écrire comme il faut. Voilà. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que le stream s'est bien passé pour vous. Que ça vous a plu aussi, bien sûr. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, tout ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain matin pour un petit stream Starbound avec avec le sage. Ça fait très très longtemps. Pourquoi ? Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas fait puisqu'on était passé sur Raft. Donc on va refaire une petite soirée Starbound et. Et ce sera impeccable, je pense. Allez, bonne soirée à tous. Salut!